اشرمي معروفي لي نولي اش بروفي دلو من رايفي لي كوراجو اشرمي من رايفي الكرام ان رايفي الكرام في لودي سمارني غونارو مانرو ان رايفي المنرو مانجيهاس من روتم ولا في دورة من دين باركو من رابو سر من اليان من رايبا نكسو جنو شرابا نلوكين ينا ليس من رابنا لي قرمي اجينا لي كومي دالو سرابي نرادن ورمي لاي في لودير موجي اسمان ان رام ربينو ان رام لوجي نيرك فيلام غسرمي من ربنا غيرو سربي نايلام دي اسميرو فو منالو Jevaro Jevaramilo Jevarami Morabino. Voilà, bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. J'espère que votre journée commence bien. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde encore d'aborder. Il est bon, notre Dieu, il est souverain. Disons merci à Jésus pour sa fidélité. Lui disons merci parce que personne n'est semblable à lui. Donc, nous continuons le programme ce soir. C'est la clôture, le troisième jour du côté du foyer Banjoun. Et je pense que Dieu manifestera une grande grâce. Bénissons Dieu pour sa souveraineté, pour sa miséricorde envers nous et pour tout ce qu'il a eu accompli pendant ces deux jours. Et ce samedi, par la grâce du Seigneur Jésus, nous avons une sainte convocation au niveau de la bière à partir de 12 heures avec tous mes fils et toutes mes filles par rapport à la préparation du culte national. Donc, passons la nouvelle autour de nous. Ce samedi, nous nous retrouverons du côté de la bière. Je convoque tous mes fils, toutes mes filles et tous les départements de notre église. Tout le monde, protocole, sécurité, les anciens, les leaders, les pasteurs, la chorale, la télé, la radio, tout le monde est convoqué à cette grande rencontre. Donc tous mes fils de dedans et de dehors sont invités à ce grand moment pour la préparation du grand culte national qui aura lieu ce dimanche 30 juin du côté de la Bille. Le Seigneur nous fera grâce. Donc, je pense, passons la nouvelle autour de nous, que tout le monde puisse être présent. Et c'est la présence de chacun impérative. La présence de chacun est obligatoire. Nous allons travailler ensemble pour organiser comment les choses vont se passer, qui sera responsable de quoi, qui fera quoi pendant ce grand culte national. Donc, à toutes la garnison des prophètes, à tous mes fils, à toutes mes filles, à tous ceux qui sont connectés à cette grande famille prophétique. Le rendez-vous est pris et ne manque sous aucun prétexte. Ne manque sous aucun prétexte. Le Seigneur glorifiera son nom. Dieu manifestera sa gloire. Nous en remettons à lui, et qui est le maître du temps et des circonstances en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc je voudrais aussi exhorter tous ceux qui me suivent de près comme de loin à prier
pour ce grand moment, à prier pour le ministère, à prier pour moi, à prier pour l'Église, à prier pour cet événement qui sera une grande bénédiction pour plusieurs. Donc on va prier pour le Cameroun, on va recommander la nation à notre Dieu. Et le Seigneur nous fera grâce dans sa souveraineté. Donc c'est l'occasion pour nous d'intercéder pour le Cameroun, pour notre pays, pour les dirigeants et pour tout le monde dans tous les cas. Nous avons besoin de voir la main de Dieu se manifester puissamment dans nos vies. Et ce troisième jour, c'est la clôture du grand programme. Les 3 jours qu'on a pris au foyer Banjoun. Si quelqu'un n'a pas été là les 2 jours précédents, vous n'étiez pas au courant que nous étions au foyer Banjoun. Alors je pense que l'occasion vous est accordée de pouvoir être là à la clôture, ce troisième jour. Foyer Banjoun, c'est du côté de toi, mais qui, à partir de 17h. Retrouvons-nous là-bas très nombreux et voyons ce que le Seigneur fera. Et le soir, je vais prêcher sur cette mauvaise odeur doit quitter ta vie. Le mystère des odeurs. Et je pense à un enseignement qui va intéresser plus d'une personne. Et vous êtes conviés à ce grand rassemblement et que Dieu vous bénisse pendant que vous venez. Je prie pour vous que votre journée soit bénie, qu'elle soit illuminée par les grâces multiples de notre Seigneur Sauveur Jésus, que la faveur de Dieu soit ton partage et que le Seigneur veille sur toi et bénisse ta journée. Alors rendez-vous tout à l'heure à 17h du côté du foyer Banjoun. Et pour ceux qui ne pourront pas être là, sont connectés très nombreux ce soir, je pense que Dieu nous surprendra encore. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bye. Shalom. Bonne journée.